Grâce à Dieu, notre Père. Ton pouce dans mon âme, c'est à ton bawa barca. Le Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Ba, c'est à venir en bas, à son nom point, tekerba bilif sans kabé. Que son saint nom soit béni par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Bibam yur sans zemezanga, pam pengri, ton zusoba Jésus-Christ, mas manyenga. Que vienne bientôt son royaume. Sur cette terre, dans ce monde. La tibibam solma wa dunikanga pourin wa katsiwata. Nous avons amorcé l'enseignement sur le royaume de Dieu. Tonzwe singame et zamsro sinkiene wenam solom yele. On appelle aussi ce royaume le royaume des cieux. Oblibumbo na solom kang ti nyingr solom. Alors, lorsque vous trouvez dans les Saintes Écritures l'expression « le royaume de Dieu » ou « le royaume des cieux », ce sont des expressions équivalentes. Tous les deux indiquent la venue du règne du Messie, le règne de Jésus-Christ sur terre. Alors, la réalité de ce royaume, nous avons déjà commencé à en parler depuis les précédentes émissions. Et ce soir, nous allons poursuivre avec l'enseignement sur le royaume. Lorsque nous lisons dans le livre de la Révélation ou encore le livre de l'Apocalypse au chapitre 3, le verset 21, alors, il est écrit, « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. » Alors, l'expression « je le ferai asseoir avec moi sur mon trône » doit être comprise dans le sens que le trône du Seigneur Jésus, le trône messianique, aura lieu sur cette terre, dans ce monde. Gombil ninga, wala meti gomning si yete mamna zinga la mamna mgeer zuga. Araton a gomda wakat ning zusoba Jésus-Christ namas na waduni kanga zugu. Dans Colossiens au chapitre 1, le verset 16, il est écrit ceci, « En lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. » Les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations et les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc nous comprenons l'importance de la venue du royaume du Seigneur Jésus sur cette terre. Puisque les trônes et les dignités ont été créés par lui et pour lui. Bala rimdamba wala pince buto toya fan nana bam nyinga la ya bam menanba. Et nous savons que lors de sa première venue, il n'a pas régné dans ce monde. Il n'est pas venu comme roi. Au contraire, il est venu comme serviteur.
La ton mime ti ban pipi wo ngap sinzwe yon wawa, opa wan dinamye, obo wame watum tumda. Et donc, la promesse concernant son règne, c'est une promesse à venir qui doit se réaliser bientôt. Ratin wiligame ti kab no ning si ya bam sinan libron wali nama ya boum sinan ka be anankata a be toron watin. Et c'est l'établissement de son règne sur terre qui est l'événement le plus urgent, le plus important et le plus imminent. La san ya bam nama sina wa zine duni kanga zuga ya bon kasan sin ntorn wa ne nyarbo ton sin gyer de ne ratan kasanga. C'est pourquoi les apôtres réunis dans Actes au chapitre 1 le verset 6, ils posent la question suivante au Seigneur. Yaren kiti tum tum ba ton san karam tum tum ba sebra pouin chapitre 1 verset yo ba optima taba na taba na soka je dis soko kanga. Alors, ils disent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Obsokame, zusoba, ya mosan lainande Israël solma lipsbi. Est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Ringa, ya wakat kanga lainande Israël solma lipsba. Oui, il faut que le royaume d'Israël en la personne du Messie Jésus-Christ soit rétabli sur terre. Ya tilait Israël seulement libre zinga c'est tourné Jésus-Christ menga. Et ce sera le prolongement ou encore l'accomplissement de la promesse que Dieu a fait, la promesse qu'il a faite à David, son serviteur. Ya wakat kang la kab noni wenam sen kab tumtunda David nam pam pitsgo. Alors dans le livre de Amos au chapitre 9 verset 11 au verset 12 nous disons ceci. Amos chapitre 1 verset pila yetita pila yiba ton karamda wotone. En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David. Ke wakat kanga barar bala mamnan lipsa David buda senya wabroga senluwa. Alors, c'est cette promesse de Dieu à travers le prophète Amos qui explique la raison pour laquelle les apôtres ont posé la question au Seigneur. Est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Ratin yetia kamno kanga senda zeng gom hala Amos wakatonwa la karim bise son wan libre mo san nanter soka jizin gese ya wakat kangle nande Israël solman libre swabi. La question concerne le temps. Est-ce en ce temps? Dans la sokra gomda wakati ringa ya wakat kangbi. Alors la question ne se pose pas quant à la venue et à la réalité du royaume d'Israël par le Mashiach, le Messie, sur l'ensemble de toute la création. Sokra ka gon a Jésus-Christ ya somni wenam senya ke simboti Messie wa sinanwa dinama duniwa fa nama yelay. Alors on connaît la réponse du Seigneur, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Ton ministre sur Jésus-Christ le coptoto aye la main. Akabene nyam tibang dari wala wakatayi daninga mba senyake nan libsolmay. Donc on est bien d'accord que la question concerne le temps de l'établissement, le temps de la survenue de la manifestation de ce royaume sur terre. Dala mime ti sokra lekra gomna Jésus-Christ nan wan dinama dunia fa bams nan wan zinigum nam diba. Alors tout homme, tout scribe et tout juif qui est bien enseigné en ce qui concerne le royaume de Dieu, alors tous savent que l'attente d'Israël, c'est l'accomplissement du règne messianique. Et ça y est-il, juif ramba, bon y est-il, bangada boutoto, la docteur d'amba, somnim la fance mi, mwenam solma yele, wala sampam, zam so soma mwenam solma yele, ob mi metif sangom Israël solma sinan libron wazin, gab gonda Jésus-Christ, mwenam sinyake, messiwa, la consolation d'Israël est l'espérance de tout le peuple d'Israël. Israël belsra ya Israël bouda fa son gond bon kasninga. Et c'est la venue du royaume du Messie sur terre qui est la réalisation de cette espérance d'Israël, donc la réalisation de l'espérance d'Israël. La ya Messie wa sinan libron wa ngwa zinigom nama. Donc Israël ne sera jamais consolé tant que le Mashiach ne rentrera pas dans son règne et ne sera pas assis sur son trône de gloire à Jérusalem
sur sa montagne sainte selon le psaume 2. Ratung wili gameti Israël kanantolom pam belso halti tawakat ninga messi wasinan libron wa zinnibnam gira zug Jérusalem tanson wa zugay. Parlant de la consolation d'Israël, il est écrit dans Luc au chapitre 2, le verset 25. Et sans gomne et mieti Israël solma belsayel a goul sa Luc chapitre 1 verset pis la noa. Luc 2 25 et voici il y avait à Jérusalem un homme appelé Simeon. La ade royenda be Jérusalem tayur boneta Simeon. Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Rokan rayani songo ntunwenam la sakrwenam soma la gour Israël solma belesro. Donc nous voyons que Simeon le sacrificateur et Anne la prophétesse dans le Nouveau Testament représentent l'ensemble des sacrificateurs et l'ensemble des prophètes de l'Ancien Testament qui attendent la réalisation de l'espérance d'Israël qui est la venue du règne messianique. Tonya tamé ti zikanga asimyo sinya mankura la an sinya wenam noresa ndati ti kampala point noresa la mankura amamasda alikda mankura ba fans de zin kampura point la prophète na mabombe ti noresa de basin de zindi halka kudra wakata ti tarenda. Nous savons qu'il y a trois fonctions, il y avait trois fonctions principales en Israël, la fonction royale, la fonction sacerdotale et la fonction prophétique. Ton mime ti tum kasim satan dabe Israël solma pour un zamana pour un ya noresko la mankura tumde la riunga. Alors Simeon et Anne cités dans les premières pages du Nouveau Testament représentent la fonction sacerdotale et la fonction prophétique. À Simeon, né an son gomobile, kapal raseba pour moi. Et goma, mankura tout m'a yele, ne noris ratoum yele. Alors, et ces deux fonctions sont là comme témoins et comme attendant la réalisation de l'une des fonctions la plus importante qui coiffe tout, qui est la fonction royale et qui doit être incarnée par le Mashiach, par Jésus-Christ le Seigneur. Tout m'kasm se yiba, si ya mankura tout m'de la noris ratoum da. Ofana ratabum be zinga yemri sendat yi kaseto ti tumning sentar pang yida wan pidizanga sendat to stiringa senam pam pidisu a Jésus-Christ. C'est pourquoi lorsque Simeon reçoit l'enfant Jésus dans ses bras, il dit ceci: tu peux maintenant, ô Dieu, laisser ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu ton salut, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Yaren kita simio son wandera Jésus-Christ son waya bulfa ayeli zusoba mosa nyam temba sa tuntunda ta lone la fi wayam senda yela bala mom ninya nyam fari far ninyam senda seral Israël bourenga. Étant averti par le Saint-Esprit et ayant reçu la révélation par l'Esprit que cet enfant est le Mashiach, eh bien Simeon comprend que toute l'espérance d'Israël et toutes les prophéties d'Israël se réalisent par la venue de cet enfant messianique. Moi, nam si son gomne Simeon, la venra Simeon, a bangame ti bininga se zara, ya bumninga Israël solma, Israël ne va fasse de goudi, si ya Israël solma bulle sera pire sur la wotone. Donc, en ce moment, il peut demander à Dieu de le laisser aller en paix, c'est-à-dire qu'il n'a plus rien à demander à Dieu. Il n'a plus de prière, d'espérance à présenter au Seigneur parce que visiblement, toute l'espérance d'Israël se réalise par la venue du Mashiach. Il y a un qui te rappelle ta cause, nan cause, nan, wala mieti pousse, nan bonsoin, nan tout mané bala, a nyane nifu, fara ninga se ya Israël solma fara. Donc, eux, ils étaient là, les prophètes, les sacrificateurs étaient tous là pour veiller à la réalisation de l'espérance messianique. Ils étaient là pour prier et rappeler au souvenir de l'Éternel les promesses de la consolation d'Israël par l'établissement du règne messianique sur terre. Ren mankudba la noresba fa ragana tabam bizigaye senan segala
ringa ya Jésus-Christ na wali nama pidisgo bamfa e fangari ringa la meti Israël so ma bel ringa. Alors, lorsque nous lisons dans Ésaïe au chapitre 27, le verset 6. Il est écrit ceci. Dans les temps à venir, Jacob prendra racine. Israël poussera des fleurs et des rejetons. Et il remplira le monde de ses fruits. Ezei pisi la yopwe verse yobe wakat sen wata a Jacob yansana nki nyera Israel buda nan tobame nimpudu mpi dunia ne obisa. Alors, et ces temps à venir concernent les temps messianiques. La wakat kan sen wata a gomda messi wanam riba sen wata. Oui, c'est-à-dire, c'est le temps où le Mashiach s'assira sur son trône à Jérusalem pour gouverner les nations de toute la terre. Ya wakat ninga messi wasenan jin Israël solomon en di nam dunia buda fanam. Alors en ce temps, donc au temps du Messie, Israël aura la prépondérance sur toutes les nations, la primauté sur tous les peuples. Wakat ning son wata wakat kanga ya Israël neba na mbitori bom na yiti bam ntar panga yi dunia solomon la buta to ya fan. Donc l'avenir radieux d'Israël est ce qui compose la plus grande partie des prophéties non accomplies de l'Ancien Testament. Radieux d'Israël solma nam dib wala miti nam dib ningap sangomla sabiel kanewa ya bonka sanga sanam bitoron watin la neba fan gouda la main bu miti Israël solma gouda ntana kapinani. Le Nouveau Testament nous enseigne que une grande partie des promesses de l'Ancien Testament, une grande partie de l'Ancien Testament n'est pas encore accomplie. J'insiste pour que nous chrétiens nous comprenions que le Nouveau Testament nous enseigne qu'une grande partie des saintes écritures de l'Ancien Testament restent encore à venir. Le bon gomme de même passe, ton natin de batouin bangé, tu gom ni sin gom kapal rapouron, willy de tondo, tu kab no ni sin da zon gom biel kapou rapouron, wusra fan en kapam pidis ou la bête or wat. Alors, la mort, la venue dans le monde, la naissance, la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. À Jésus-Christ Roma, Vima, Kuma, la Vora, Dunikangazuga. Et la proclamation du salut en son nom à toutes les nations, cela accomplit une partie des Saintes Écritures. L'absenant tous, Bamsi, a fait la Dunia Bouda Fawa, Nienda Zoya Kabar Sanzoye, un Pitsi, ou la Métabé Pitsu Poua. Cela accomplit l'évangile de la grâce, l'évangile du salut. Nienda a pirisda kwenora wakata kwenora kab nora sankwa. Voilà où Dieu se propose d'accueillir par adoption tous les hommes et toutes les femmes de toutes les nations qui acceptent de faire la paix avec lui par le sang de son fils. Ya wakat ninga wenam se nkomenga tin dunia bute tre fa neba buto tor fa gom bute tre fa. Fin un pam bamba la ti bam na serle sa ti sac fin gili se tourne tourne la bambiri la Jésus-Christ se mané d'apikazuga. Alors, mais la mort et la résurrection de Jésus-Christ doit aussi accomplir notre évangile qui est l'évangile du royaume, le royaume messianique qui doit être établi en son temps à Jérusalem. La Jésus-Christ kuma la vour rapidis da kabrato. Donc, c'est lors de sa première venue qu'il a accompli l'évangile du salut, l'évangile de la grâce dans lequel nous sommes aujourd'hui. Ratitiabam pipiwanga buruma la vima wakata a piris datonsumbe lohorum wala mietiwenam bark wakat toninga wakati. C'est ce message que nous proclamons lorsque nous évangélisons et que nous appelons les hommes et les femmes à se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ pour avoir le pardon de leurs péchés et la vie éternelle.
C'est l'évangile du salut, de la grâce que nous annonçons. La ya fangara kwa esi ya kwe no kanga, la ton monda wakati nton sangwa monde neba, te wan saka Jésus-Christ en pam fangare la pam vima. Mais ce n'est pas tout. La pa fangzange. Il y a aussi l'évangile du royaume. Ya ti solo ma kwe norme bime. Que ceux qui sont appelés au salut et qui ont reçu le salut par la foi en Christ sont aussi appelés à faire partie de la royauté, à faire partie du règne du Machia lors de son retour. Yata bram ni sempam bolo, mpam fangri, obram ni sakandega Jésus-Christa, obonda bammet, trempam solum ninga yelepsen gonsia, mwenam solma, a Jésus-Christ nawazin gobnama andiwa. Voilà, donc nous proclamons l'évangile pour que tout homme ait la vie éternelle par le pardon de ses fautes. Tontosda, kweno ninga sinya fangra kweno woti somnisna sakandege mbasa yelwena bia pam fangri. Mais Dieu nous appelle aussi à participer à la gloire et au règne de son fils à Jérusalem. La wenam bonda ton meti modri en tonron na bam birible zire pour bam sangwa nan dinam Jérusalem. Donc il y a ces deux réalités là qu'il faut considérer pour que notre foi soit complète et que nous puissions prendre en considération l'ensemble de toutes les saintes écritures, l'ensemble des saintes écritures. Ya bamba yiba sin ya kwe kasim se yiba na ton togodam bangi ti ton ti ba ton pidzanga sin ya mwenam solma ne fangara bum sin wela tori. Alors, dans Isaïe au chapitre 40, Isaïe sebra chapitre pinasi, verset 1 au verset 10, nous lisons. Verset yema tu tapiga it karam dame. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Ayetame, zusoba yela meya, bi belismam neba. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Zusobaye la meya, bi belis mam neba. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée. Bi belis mam neba, gomine Israël neba, mon kwayen yel, tibi yemada seme, la pama biel wena souri. Qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Alors donc nous voyons que cette partie de la prophétie de Isaïe chapitre 40 n'est pas encore réalisée et elle concerne la relation, la consolation d'Israël. Ton sinkaram zinga wa ton yata meti kab kanga kab no kanga saba nanka pidna na nasungom Israël neba wala Israël solma bel soyel lai. Elle concerne l'avenir radieux du peuple d'Israël et de tout Jérusalem. A gomda Israël neva senan wa binar point la nyara point wakat smiton watin. Et c'est pendant le règne messianique que Jérusalem recevra de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés la consolation. Ya wakat kangla Israël sur ma fa nam pam wirwena sugno re yibu wala belso kasang ninga wena msen kap kanewa. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée. Que toute montagne et toute colline soient abaissées. Que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant toute chair la verra car la bouche de l'Éternel a parlé. Bi manak sorwe ou pouwen zisoba yinga. Konri so kondre sin ya tirgara son pui pouwen ton wen nama yinga. Bi sen londa fan, lai saram tansa ne kunkuba fan, lai kiti tambe da saraman libre zipe la, lai kiti tamsa sengsa libre ziyalanse. Den, zisoba zira nan poukame. Alors, la première voix messianique qui criait dans le désert, nous le savons, c'est bien sûr celle du prophète Jean-Baptiste. Ton famille, ti pipi kwen ning sinda kelem, wera son pouirin, ngom fangre yela, ya Jean-Baptiste, ya wenam noresa. Le prophète Jean-Baptiste. Wenam noresa Jean-Baptiste. Le dernier Élie, selon Malachi. Sin ya yolom Élie wa, ton sankar Malachi sibra pouin. La fin du livre de Malachi nous parle d'Élie, le prophète qui devait venir, et c'est la personne de Jean-Baptiste, le prophète.
Malachi sevra baska gom nané ton a élé yim sosin togodon lebronwa la ya Jean-Baptiste la nyesoba. Donc la prédication, la proclamation du prophète Jean-Baptiste préparait la première venue de Jésus-Christ le Machia pour l'évangile du salut. Ren wen nam no resa Jean-Baptiste wa mon kwera wera som tura pour wa la seconda messi wa sin ya Jésus-Christ pipi wonga. Alors maintenant, une voix prophétique sera aussi entendue juste avant le retour de Jésus-Christ pour établir le royaume de Dieu sur terre. Mosa no resa kwera me nan kil ti ne wusto fa wume. C'est Nasser à Jésus-Christ Yibwanga, c'est Nama Riba Wanga Yilme. Et c'est en ce moment que la gloire de l'Éternel sera révélée. Or, la gloire de l'Éternel qui se révèle, c'est la manifestation physique de Jésus-Christ dans notre monde lors de son retour. Ya wakat kan la sinka seb zira nam puki la sinka seb zira nam puka Jésus-Christ nama li wakat ya messi wa sina wazine go nama kan. Il est écrit alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant toute chair la verra. Toute chair verra la gloire révélée donc qui est Christ, toute chair la verra. Ren la biye lien de zuso ba zira nam puka me la nisal ba fana nya bam zira wakat ya point. Alors, lorsque nous continuons la lecture, Isaïe 40, verset 1 à 10, il dit, monte sur une haute montagne, sur Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Alors, cette bonne nouvelle qui est publiée par Jérusalem et par les villes de Juda, ce n'est pas la bonne nouvelle du salut par la grâce de Dieu, mais c'est la bonne nouvelle de l'établissement du règne messianique. La bonne nouvelle de la manifestation, la parousie, la révélation du Machia à Jérusalem. Juda la Jérusalem se mon kweno nin kanga pa kweno nin sinya wena bark wakat kweno rayi sinya bude fan wanyingay ayo ya kweno nin sinkene Israël neba sinan wa dinam ne Jésus Christ la ratieti messi wa sinan wa zinigob nama la bolunga sinan nane ziri nyabo la pilbo Israël bude fanyinga. Alors, que crierai-je? Une voix dit, crie, et il répondit, que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat clôme comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel tombe, souffle dessus. Certainement, le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. N'est-ce pas, Mamia, toxique? La mam le kame, m'togos bwen. La biye la mam, tim togos ti nisal wa fan ya wa moro. La bnerel ma fan ya wa mopwi. Zusoba sobr san we moro. A kwitame, la mopwi sourdame. Alors, cela souligne le fait que une parole que Dieu a prononcée à travers ses prophètes, c'est une parole qui va subsister au-delà des générations. Bon kangarati yela me ti kwa ni wenam san tokos dunye ne basin tunu ne bam noresel ba ya kwa san par wakat fa. Des générations d'hommes et de femmes ont entendu cette prophétie de Isaïe. Zaman dam san lore ne musa fa wuma wenam kwa kang a Isaïe sebra pour comme san goma yela. Les générations sont passées. Les grands comme les petits sont morts. Zaman bu tata lore me peut-être que nous n'allons pas voir de nos yeux, dans notre vivant, la réalisation de ces promesses. Parce que l'homme est comme une fleur. Elle tombe. Quand le vent de Dieu souffle dessus, mais la parole du Seigneur annonçant la venue du règne messianique demeure éternellement.
La wenam kwenin sin gom messi wanam liba wonga yi la pada wakafa. Alors, nous ne sommes pas de ceux qui disent depuis la promesse a été faite, les pères sont morts, les générations passées, où est la réalisation de son avènement? Ton pabra ni sin yitre, haya, kwera razuen toursame, ton yabram kime, ton baram kime, haltitaka, nankapam pidisgo, mbouroday. Non. La parole de Dieu demeure éternellement. Ayo, wenam gomna pada wakat fa. Et les choses que nous annonçons, soit nous serons des témoins oculaires lors de leur réalisation, ou bien ça va se réaliser après nous, mais la parole de Dieu sera en tout cas réalisée. Boum ding ton sentorsda, twenty ton yenda ne nifu, wala twi mempa yenda ne nifu. La bosse ou gomna pada wakat fa. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Yel Juda neba adinya mwenam. Donc le Mashiach va se révéler à toutes les villes de Juda. Messi wanam manra venra menga Juda bouda fan. Alors Isaïe 41 verset 8 à 14. Isaïe pisnas la yemri verset nitita pila nasi. Mais toi Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis, et ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu, je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Agul same, razoira bemye, mam bene nyamba, rayesye, mam ya nyam wenam, mam nan kinga nyamba, mam nan songa nyamba, mam nan tala nyam nem nourriture saint onda, gesi, nem ni sui saint pour ne nyamba, nan pa ma nyandi la paori, nem ni se zaba ne nyamba, nan sama men libra zalam, nyam nan ba o nem ni se zaba ne nyamba, lai kana nyab bam ye nem ni se zaba ne nyamba na men ma me en libra zalam ti bon mam ye zu so ba sin nyam we nam mam gata nyam di tro en yete ti ra zu ra bim ye mam na so nga nyamba. Alors vous voyez cette prophétie d'Ésaïe 41 verset 8 à 14 n'est pas encore réalisée. Nyam ye tamé ti kab no kanga sembe Ésaïe sebra chapitre 19 la yemer verset ni ti tapila nasa ananka pidie. Israël attend encore et toujours le secours de l'Éternel son Dieu. Israël qui est un gouda juste avant wenam sena wa fa bamba. C'est donc qu'il est écrit, car je suis l'Éternel ton Dieu qui fortifie ta droite, qui te dit ne crains rien, je viens à ton secours. Zini si yete mam ya nyam wenam razoira be mam gata yam nem nugri tro la mam nante bla nyam song nyamba. Et c'est la réalisation de ces promesses des prophètes que Simeon et Anne, c'est de ça qu'ils attendaient, c'est cette consolation qu'ils attendaient pour Israël, leur peuple. La yawoto la Simeon ne Anne bam senda gund Israël solma bel sera et sendati yel bumninga ya bon kanga la bambu bi bas wilgman kurba ne noreter bas senda gunda. Donc l'accomplissement de ces prophéties, voyez, relève de la fidélité de Dieu à accomplir l'alliance qu'il a faite avec Israël. Kab no kansa pidisga a puk da wenam si ya sip soba am pidisir gwam nis bam si yele Israël ne ba nyinga. Or, c'est à travers le règne de Jésus-Christ sur terre, donc le royaume de Dieu sur terre, que Dieu pourra réaliser tout ce qu'il promet à Israël. La yane messi wenam liba si na te Jésus-Christ nan le bonwa zinigob nam an diwa la wenam gwam a wenam kab no da nam pam pidisgo Israël kamba zutu. Donc, c'est pour ça nous prions que ton règne vienne.
Yaren kiti ton pouce ni yete biyam solo mwa. Que le règne du Mashiach, le règne messianique, le règne de Jésus-Christ vienne. Bimessi wa nam riba, a Jésus-Christ nam riba wabo. Parce que le règne de Jésus-Christ va définitivement délivrer Israël de tous ses ennemis. Bala Jésus-Christ nam diba nam fara Israël ne ba fa ne be ba fa. Et permettre à Dieu le Père de réaliser toutes les promesses qui ont été faites au patriarche Abraham, Isaac, Jacob et aux enfants d'Israël. La yanere la wenam kab norbam sinda kabe halib yabram ba Abraham la Isaac wakatunga nam pampidisgu a Jésus-Christ nam riba wa. La venue du règne du Messie. Messie wa nam riba wong. Va révéler la fidélité de Dieu à l'égard de l'ensemble de son peuple d'Israël. A pouk da wenam sida bam neba sinya Israël neba yinga. Et c'est cela la consolation d'Israël que tout le peuple juif attend. Il y a Israël neba belsola wotone jifra mbasun gund wakat kangawa. Et nous aussi, nous attendons cette consolation d'Israël et la venue du Mashiach. La ton fwa gunda Israël neba Israël buda belsra la Christ nam riba wong. Parce que nous sommes devenus participants des promesses faites à Israël. Bala ton fwa narame un tunkab no kanga point. Par notre foi en Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. La bon kanga yane ton sante en Jésus-Christ ya ton fwa da nyinga. Donc notre salut, notre délivrance, notre joie est lié à ceux du peuple d'Israël. Radit ton sunogo la ton kidonga a lwene Israël sono mala Israël neba me sunoga sonwata. Bien compris, nous participons à leur salut. Ré ton narda bamfara poa. Alors, lorsque nous faisons la suite de la lecture de Ésaïe 41, ton sankin tore koranga poa Ésaïe pisnas la yimra. Il est dit: ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. Je viens à ton secours, dit l'Éternel. Vers pila na saitame zuzura Jacob razuira bimye Israël dopa zusobaye la me mamna songa nyamba. Et le Saint d'Israël est ton sauveur. Israël son sobaye nyamfara. Voici, j'ai fait de toi un traîneau neuf, tout neuf, garni de pointes. Jesse, mamna kitame tinyam yiwa machine sintara mpabriki sintar noy wusro. Tu écraseras, tu broieras les montagnes. Et tu rendras les collines semblables à de la balle. Tu les vanneras et le vent les emportera. Et un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu te réjouiras en l'Éternel. Tu mettras ta gloire dans le sein d'Israël. Les malheureux et les indigents cherchent de l'eau, et il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les sauverai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier. Je mettrai dans les lieux stériles le cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble. La yamna kit ok yamna papa tains mbirsi la yamna kitame ti tamber libre wa wudugo yamna yel rabam ti sobalik bam en lore sobona saint rabamba la yamna kidma zusoba nyinga zusoba na mana suno Israël son soba nyinga naungram ne nimban dam bawra kom la kom kayi konyur kwi sabang zelma. La mamia Zusoba, mamna Luka Bamba, mamia Israël Wenam, mamna, mamkanam bas bamye, mamna kitame ti koum zwe tain zout, ti koubounum pousse tain slon poussin, mamna kitame ti weo libre banro, ti koubounum yi, tain kwayen pouin, mamna se la cèdre tis ne acacia, ne myrtre la olive tis weo ra pouin, la mamna larma cypress tis ne orn la et la buistis sil dasum pui pouin ya sena yilen ti neba nya la taxum bang ti ya zusoba pang mana wutu. Bien, alors dans Ésaïe 59 verset 18 nous lisons Ésaïe 59 à partir du verset 18 au verset 21 nous lisons: il rendra à chacun selon ses œuvres, la fureur à ses ennemis, à ses adversaires, la pareille à ses ennemis.
Il rendra l'appareil aux îles. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Un Rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Bam sur nam puga neb zabrantasa tiburokup suri neb beba. Bam nan lipsa tens niskom sen gubga wasen zim sub tuma. Ninta o damba nan zwe zusova yu larapo damba me nan zwe bam zira. Tibwen bam nan wa wa kwezwitum zusova soba sen digda. La bam nan wa. Yi Sion, la Jacob yaransa sembasu biye louena farda. Bam nan yi, a Jacob yaransa sembasu biye louena farda. La voix du Seigneur Jésus, à la fin de l'Apocalypse, nous l'entendons résonner, et elle dit ceci. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. A Jésus-Christ zé kap kwa yaran gome, ton san karam wilgir sebra a boska zingan yele, yese, mam wata toto, la ki urbe ne mam ti ki onet kam fan, wasen zim satoum si yabum ninga. C'est le même esprit qui anime le prophète Esaïe au chapitre 59. Il rendra à chacun selon ses œuvres. Donc il viendra, le Messie viendra, et il rendra à chacun selon ses œuvres. La fureur à ses ennemis, mais il donnant les récompenses à ses serviteurs. En effet, selon l'attitude des uns et des autres, à l'égard du peuple messianique, alors chacun aura sa récompense, chacun aura son châtiment, ou bien chacun aura sa récompense. En fonction de l'attitude des peuples et des nations à l'égard du peuple messianique, Israël. Ratum wiligame, tu boutre toi yel mansum, ob summan en tesser Israël, ou alapsinité, ob summan Israël neva yinga. Net kam fan en pama, si brasse zemsa, atum si ya weng en tazininga. Labram nisma ner ne Israël neba wala yeti messiwa neba obnan do labam nero nsi ya soma. Alors il est dit on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Abiela me obnan zwe zusova yuri halyanga titanin tawri. Oui, pendant le règne messianique, lorsque le Messie sera là, wakat ninga Jésus-Christ na wazinga nama nditum nama et qu'il va gouverner toute la terre l'absence so dunia we visana sa fama depuis l'Occident jusqu'en Orient on craindra le nom de l'Éternel haliang titanin tawre obnan zwe zusova yura. Donc voyez bien que ces prophéties ne sont pas encore réalisées. Nyam ne vena kepi tikab no bamba na kapinane. Et alors en ce moment, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Alors, et en ce qui concerne la rédemption d'Israël, il est écrit, un Rédempteur viendra pour Sion. Pour Sion. Donc, lorsqu'on parle de Sion, eh bien, c'est le trône du roi David qui figure le trône du Machia qui va s'asseoir à Sion, la montagne sainte du Seigneur, pour gouverner les nations pendant son règne de 1000 ans. Sangon à David nam guerre yelle, ça est Israël sur ma fin yelle. Ob gomda Jésus Christ nam dips nam wa, ça est Messie wa nam riba son wati. Ob sinazim Sion tan songa zugo en dinam la sur dunia we visa nasa. Il faut comprendre que dans les temps actuels, le Seigneur Jésus Christ en tant que le Messie pour toutes les nations, Il libère sa puissance, le Saint-Esprit, qui convainc les hommes de toutes les nations et de toutes les familles des peuples à se repentir de leurs péchés et à l'accepter comme leur Seigneur et leur Sauveur. Bibanti zamani ton sumbi wala miti runde ton sumbiwa a Jésus-Christ ya sobni mwenam sinya ke sinya fangada sinya messiwa
bam yis da panga wala puk da panga nimbam si songo sena yile un technisa alba yamati net kam fa banga kongri un libron wa wena nengen kosuri un plein pam fari. Et nous sommes associés au Seigneur, les serviteurs de Christ, nous sommes associés à lui pour cette œuvre d'évangélisation des nations. La ton Seigneur Jésus-Christ tend ba sem pam fara ton narda à Jésus-Christ tout kanga point. Afin que la lumière de l'enseignement de l'évangile de Jésus-Christ soit la lumière qui éclaire la conscience et le cœur des nations. Ti venem ning si yakwenora venem matin pour dunia neba fanyinga de tenya la pam fanre. Bien compris. Maintenant, nous devons comprendre que au-delà de cela, il y a aussi l'œuvre puissante que le Fils de Dieu est en train de faire pour ramener tout le peuple d'Israël à lui pour la rédemption et le salut de tout Israël. Sending wala neti sem pass bumningas e a Christ mandi sin ya fara ab sun untose dunia ne ba fanyinga pour kasinga tola manda sen na yiren le bon tigum Israël ne ba tobwa bam nenge na yiren tomo sa Ngombam fara sin Israël bouda fara yele. Donc l'esprit du Machia, l'esprit messianique, l'esprit de Christ, le Saint-Esprit travaille sur deux fronts. Parmi les nations pour le salut des nations et il travaille aussi parmi les Juifs pour ramener à lui tout Israël qui était dispersé et qui n'avait pas reconnu en Jésus-Christ le Machia, le Seigneur, le Sauveur. Ratan wiligame ti si songo bomye ti messi wa sira atum na zinse yibu sense ke ne fara yele pipiwa ya ti far dunia solom damba tetoya bomye ti buzem sa to tem pam fari la sam passe ya ti libron tigis israel solom neba to tem libron nata ba to biolon gombam fara yele ya wutu la wena si son litum me. C'est pourquoi l'écriture dit: j'ai mis sur tes portes, j'ai mis sur tes murs, Jérusalem, des gardes, afin qu'ils invoquent toujours le nom de l'Éternel pour ton salut. Je paraphrase, pour ton salut. Yaren kite, tibye le Jérusalem, mninga goud, fo pouen, sene yila toskwe kanga ti fara tenwa. Et tous les saints qui attendent la rédemption de Jérusalem, du peuple d'Israël, pour que ce peuple entre dans la gloire avec les nations, alors, les saints qui prient pour la rédemption d'Israël, ils disent: pour l'amour de Jérusalem, je ne me tairai point. Ramnis face ya ni soma la ni tirsi son gout Israël sol ma fangari. Bon yeti jifra ma fangari. Opou son point vietame Israël fangari nyinga mampana sinum kwaeri. Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie. Jérusalem, mam sain yim fo yele, bimam nougulita yim mam yele. Que ma langue soit clouée dans mon palais. Bi man zelemda bi kabam zelemda yeti nama girzugo. Aussi voyons-nous l'importance de prier non seulement pour le salut des nations mais aussi et surtout pour le salut d'Israël, le peuple de Dieu. Ton yatame tabe nere la yasoma ti pous dunia solom tata bum yeti buzen sa far nyinga. La yassoma met épouse Jérusalem met Israël fanri. Quand Israël va avoir sa consolation, lorsque le Machia va entrer dans sa gloire, établir son règne en Israël, nous, les nations qui avons cru en Christ, nous allons être associés à ce règne. Et donc nous voyons que nous avons le même sort et les nations et Israël réunis ensemble lors du règne messianique. Ratou ligame titon sin yabram nis mes pam fara wakatni Israël sna wampama bilsra mbinama liba pouwa ton sin yabuta taya bomi ti buzel sin pam fara me nana fakan pouin en kizira pouwa. Ainsi donc, mesdames, messieurs, pour terminer cette partie de l'enseignement, nous prions pour que son salut se répande parmi les nations, mais aussi pour que son règne vienne à Jérusalem, le règne messianique, l'évangile du salut et l'évangile du royaume. Que Dieu vous bénisse pour votre écoute dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parba l'Europa, Dalton Pousro, Sending Tit Bas, Emission Kanga, Bamieti, Sos Kanga, Pipu, Zamska, Bosra, Wotonewa, Ton Kosriati, Wenam, Songwe, T
ti net fantin pam fangri a Jésus-Christ son konta la sin yida bi wennam e biga Jésus-Christ nam di ba wa la ti bram nis fans na pam fangra twen na taba zirkan la nam kan riba point la ti bi Israël solma bel sera wa ton du sauvage Jésus-Christ la fangra mas minga amina.